Ok, check-in, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle maintenant. Imagine juste que là, maintenant, on s'enfuit. On part. On court loin. On court jusqu'à Neptune, main dans la main. On court tellement vite que nos deux cœurs arrêtent de battre. On court tellement vite qu'on s'éclate puis on s'effondre. On s'effondre, mais on bouge plus. Mais on vit pareil, là. On est vivante. On s'embrasse, on est tellement vivante que nos bouches se déchirent. Il y a du sang, puis on s'en fout, tout devient mauve. On s'en fout, ça arrêtera pas nos cris. Ça nous empêchera pas de prendre possession de tout ce qui vit autour de nous. Andy, ce soir, c'est ta fête. Je pourrais pas être là. Je peux pas aller nulle part. Sauf que je vais tout vouloir savoir. Tout savoir de toi, Beaufeu, tout savoir sur toi, puis la petite Bibiane, j'aimerais tellement ça. Pouvoir te voir heureuse avec elle de mes propres yeux. Sarah! Les psys veulent que je parle. Ils veulent que je parle de ce qui se passe ici. Ils veulent comprendre pourquoi ça me rend triste qu'on se parle plus. Ils veulent comprendre pourquoi je te trouve sublime sur ton échafaud. Ils comprennent rien. On n'est pas malade. On est vivante. C'est pour ça que je suis encore ici. Pour te voir vivre. Je suis pas triste pantoute. Sarah, à qui tu parles comme ça? Andy, aujourd'hui, c'est ta fête. Je pourrais pas être là. Je te souhaite de continuer à briller. Je te souhaite juste de continuer à être belle. Puis que tu nous rendes aussi dominants que toi. Je sais pas à qui elle parle. C'est pas normal. Sarah, ouvre la porte, ouvre! Dans mon estomac, il y a un ballon. Il y a un ballon qui est prêt à éclater. Pow! Hurle, Andy. Hurle pour nous. Hurle pour ceux qui ont peur d'exploser. Le monde est à nous. Le monde est à toi. Bonne fête, Christophe.